Resident Evil 5. Yo les amis, c'est Vaikar, j'espère que vous allez bien. Troisième épisode sur Resident Evil 5. Incroyable, je sais compter avec mes doigts. L'épisode précédent était très cool, ma foi, franchement. Plusieurs boss, on a eu le mec à la tronçonneuse qui clairement provenait de Resident Evil 4. Je sais pas comment il a fait pour s'en sortir, celui-là. Et on a eu aussi une chauve-souris géante et encore un autre, je crois, je me souviens plus trop. Mais franchement, c'était super cool, un très très bon épisode. J'espère que ça vous a plu. Donc les amis, nouvel épisode aujourd'hui. Continuez de liker les vidéos, le petit commentaire pour soutenir la chaîne. Et c'est parti pour Resident Evil 5. I heard about Irving. Tough break. Yes, but there will be other opportunities. Sheva to headquarters. This is headquarters. What's your situation? There's a high probability that Irving is on his way to an oil field in the marshlands. We're rejoining Delta Team and heading there now. Understood. Et ça dit, démarre direct dans l'action, les amis. Let's go! J'adore. Non, mais ça, c'est génial, franchement. Yes! Alors, attention, il y a des petites Q2 en plus. Captain Stone. Mais vous êtes combien comme ça? Wow, il y a un canon. Ah ouais, d'accord. Wow. Donc il a une barre de vie, donc pas de quand même. Pas prendre trop de balles. Est-ce que vous pensez vraiment que j'ai le temps de lire les dialogues? Je suis en train de tirer sur des motos qui nous poursuivent. Surchauffe, ok. C'est embêtant. C'est bon. Jusque là, on est bien. Wow. Se cramponner. Cramponne-toi. Allez, c'est excellent comme set, ça. Ça, ça change un petit peu dans le gameplay. Wow. Ah, j'arrive pas à bouger plus que ça. Je tire sur les roues, c'est pas grave. Allez, les motards, ça dégage. Surchauffe, très bien. Super. Ah mais Shiva elle fait le taf. Elle fait grave le taf, comme d'hab, hein. Elle est toujours là à nos côtés. Franchement, c'est la meilleure. J'ai rien besoin de faire. Incroyable. Hop les... Wow, ok. Wow, cette explosion totalement folle. Allez, ça dégage, les motards. Oh, il y a un autre camion ici. D'accord. Allez, je vais prendre là les dégâts en vrai. Boum. Allez, les petits gars, ça dégage ici. Nous avons une mitrailleuse totalement illimitée en munitions. Regarde lui le dernier là. Voilà. Ah. Ça se calme. Wow. Ok, attends, on va tirer sur les bidons là. Voilà, magnifique ça. On aurait dit les jeux d'arcade à l'époque où t'es en mode fixe, ça tu bouges pas et tu tires dans les bornes d'arcade. Je sais pas si vous avez connu ça les amis. Peut-être si vous avez plus de 30 ans vous avez connu ça. Wow, mais pourquoi vous êtes si près de moi? Boom. Des zombies à moto, on aura jamais vu ça. Ok les gars, c'est parti, on continue. Sympa cette petite séquence, franchement, en vrai c'est ça change, tu vois, ça fait du bien. Ah,
Ah ouais. Oh, c'est chaud. Et c'était qui tout double, hein. Soit tu plongeais dans l'eau, soit tu passais. Qui a fait ça? Oh! El Gigante! Non! Vraiment? J'avais complètement oublié lui. C'est pour ça que je vous dis, il est dans la lignée de RE4 parce que c'est. Tu retrouves vraiment les mêmes ennemis. C'est totalement fou. Il a des militaires accrochés à sa ceinture. Et c'est parti, manette en main. Waouh. Faut lui tirer en pleine tête, faire quoi? Allez, j'y vais. Bim. Wow. Ah, il faut essayer de tirer sur les... Putain, il y a des mecs là-bas qui me tirent dessus aussi, là. Allez, on tire sur les bestioles, là. Je regarde la jauge de... Ça y a une qui est morte à droite. Yes. Oh. Ça c'est la merde ça. Allez. Plein dedans. Oh elle est dégueulasse. Allez rentrez, allez rentrez, allez rentrez. Aïe aïe aïe. Allez, allez. Maintenant, il y en a 3 qui sortent. 4. Wow. Oh oh. Allez, on continue de tirer sur ces bestioles là. Ce début d'épisode est totalement fou quand même. On a une. Wow. On a une course-poursuite à moto. Un boss direct. El Gigante. Yes. On a eu le temps de frapper avant qu'il nous frappe. Allez, allez. Faut lui faire éclater ces petites bestioles là. C'est bon. Il en reste une. Bon, continue. Yes. Il y a la grosse qui va sortir. On va la terminer les gars. On va la terminer. En plein dedans là. Oh c'est dégueulasse comment elle gonfle là. Oh le prends ça. Saloperie. Toujours pas. Oh my god. Incroyable. Merde, on cherche. On esquive. Et il se prend tellement de balles le type. Il y en a de plus en plus qui sortent ça. C'est incroyable. Oh oh. Ah d'accord. Waouh, là il m'a fait très très mal, je vois le temps de le baisser.
Ok. Surveiller la jauge de surcharge. Allez, Shiva. Ok, il en reste plus qu'un. Allez, dis-moi que c'est la bonne, dis-moi que c'est la bonne là. Il faut la fumer là. Il faut la terminer, les gars. Il faut la terminer. Yes. Waouh. El Gigante. Josh. Sheva, you don't have to do this. You can still back out. What about you? I've got a personal stake in this. A personal stake? Chris, look around. We should both get the hell out of here. I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive. At first, I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill is still alive. That woman in the data file? Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Wait! Wait! You're not going alone. Je sais pas comment elle en est arrivée là, Jill. I don't have much time. I have to find her. I'm going with you. These are my people that are dying here. Are you sure about this? A second ago, you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. It's just us. We are partners. To the end. Now let's get moving. Copy that. Elle est cool, hein. Elle est cool. Allez, on prend le bateau à la recherche de Jill, mes amis. Et je sais pas c'est dans quel épisode qu'elle est... qu'elle meurt, en vrai. Enfin, on pense qu'elle meurt. Ça avait l'air d'être contre Albert Wesker, mais ça me... c'est pas dans le 2, c'est pas dans le 3. C'est pas dans le... Bah, c'est pas dans le 4. Parce qu'il n'y a pas Jill dedans. Donc est-ce que c'est dans un genre révélation, je crois. Il y a les révélations, il y a aussi Code Veronica, je sais pas. Franchement, je sais pas là, pour le coup. On a un rang S pour cette mission, c'est cool. Donc c'était une mission vraiment uniquement sur la course-poursuite et le boss El Gigante. Et donc on arrive dans les marais. Les marais d'Afrique. What happened to your partner? Jill and I were pursuing a man named Albert Wesker. Wesker. He was a top official with Umbrella, and the leader of our STARS unit. I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island. Since then, we've been trying to track him down. Then a few years ago, we got a tip from a reliable source. The whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. So we paid him a visit, hoping he'd lead us to Wesker. Wesker! Tellement chaud, tellement chaud! Ah!
Et ouais, je sais pas dans quel épisode c'est ça. Est-ce que c'est... Body was never found and she was presumed dead. The person I saw on that data looked like her. I have to know if she's still alive. You two were close. We were partners. What about you? Why'd you join the BSAA? My parents were involved in an accident caused by a pharmaceutical company when I was young. Umbrella? Yes. I only found out later that the accident was to cover up the manufacturing of biological weapons for terrorists. Mm-hmm. They were using Africa as a test bed for their experiments. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that. So you joined the BSAA? There's only so much one person can do. Even a superhero like you, Chris. I'm no superhero. But together, we can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. Bien dit. Wow. Ils aiment trop prendre les tremplins dans le jeu, je te jure. Ouais, cette scène là qu'on a vue avec Jill, je me demande si c'est dans un jeu ou est-ce qu'ils l'ont inventé pour ce... Pour le 5. Ok, nouvel environnement les amis. Nous sommes dans les marais. Et nous sommes dans un espèce de village tribal. Tablette bestiale obtenue. Très bien. On devrait se soigner, non? Give me an herb. Take this. Utiliser. Thanks, partner. Thanks, partner. Examiner. C'est solidement fermé, je ne pense pas qu'on puisse l'ouvrir. C'est qu'on ne peut pas alors, si tu ne penses pas qu'on puisse l'ouvrir. Oh. Attends. On va tirer là-dessus, il a l'air d'avoir un petit joyau. Tac, merci. Donc là quoi, il faut remonter sur le... Ouais, je pense qu'il faut remonter sur le bateau. Ouais, c'est cool hein. Donc je pense qu'il faut retrouver plusieurs morceaux de... Peut-être de tablettes, tu vois, des trucs comme ça. Ouais c'est ça, on va aller à différents... Eh, je me souviens pas du tout de cette phase là par contre, c'est un truc de fou. Ok. Donc là on va rentrer à l'intérieur je pense. Il va falloir trouver sûrement plusieurs morceaux de tablettes tribales pour reconstituer un motif typique des... The Resident Evil. C'est immense en vrai, ça fait penser vraiment à El Lago, tu vois, il y a vraiment des choses qui font penser à RE4 quand même dans ce RE5. Non, on dirait qu'il y a un truc qui brille, je vous jure, c'est un truc de malade, c'est quoi? Je peux descendre? Oh, non mais elle l'a récupéré quoi. Merci Shiva. En fait j'avais Shiva, mais en vrai, quand j'écoute bien les cinématiques, ils disent Shiva. Mais bon, j'aime bien dire Shiva. Ok. Bon, je sais pas où je vais, les gars. C'est. J'aimerais bien trouver un endroit où on peut se poser. Ah, là, il y a un ponton. On va pouvoir descendre. Ok. On va pouvoir aller visiter ce village. Avec notre petite MP5 dans le dos, là. Je sais pas où est-ce qu'elle est partie. Je crois qu'elle est partie récupérer des trucs, ouais. Oh. C'est très très calme pour l'instant. Et en général ça n'augure rien de bon quand c'est si calme. Oh, donc on peut péter les pots et récupérer des trucs à l'intérieur. Donc je pense que le but c'est de trouver un autre morceau de tablette. Waouh. Ah ouais d'accord. Ah ouais ok. Wow wow wow. Ah lui il a un bouclier carrément.
Ah ouais, mais je me souvenais plus du tout de ces ennemis là, mais c'est un... mais genre plus du tout quoi. Des tribus en mode zombie. La folie. Ah, on lui a pété son masque en lui tirant sur la tête. Ok, là c'est bon. Ouah, wow, y'en a qui ont des lances et tout, le délire. Waouh. Ok, ok, le but c'est de lui tirer sur la tête, c'est mieux. Shiva, t'en es où là? Ok. On récupère ça. Et bien là, ils sont masse nombreux quoi, c'est un truc de fou. Crochet, mince, c'est dommage, je pouvais lui mettre un crochet. Ok. Ah, j'ai besoin de... Wow, le double coup de pied sauté, incroyable. Mais là, vraiment, il y a beaucoup de monde, hein. Ah, ils font flipper. T'as la tête qu'ils ont, quoi. Je crois que mon cerveau a vraiment occulté cette partie-là. Bon, apparemment, elle est en galère de munitions, donc on va lui enfiler un petit... Oh, elle en a récupéré 10. Enfin, je t'en donne un petit peu. Ok, donc là, c'est bon. Je me disais que c'était trop calme. Ils sont tous arrivés d'un coup avec leur lance, leur bouclier. Un délire. Oh, deuxième partie de tablette. Tablette de guerrier. Je pense qu'on peut les... Ah non, on peut pas les combiner. Mais on les voit en haut, donc ça va. C'est vrai que le gameplay quand même... Enfin, pas le gameplay, mais le fonctionnement des Resident Evil a évolué vraiment avec le temps pour devenir beaucoup plus orienté à action. Parce que quand tu regardes le tout premier, c'était très orienté énigme en fait. Combat, horreur bien sûr. Mais surtout, beaucoup d'énigmes en fait. Il fallait trouver telle clé pour ouvrir telle porte et ensuite obtenir tel objet pour continuer. Puis après tu chopais une nouvelle clé, trèfle, cœur, les trucs comme ça. Et tu pouvais avancer petit à petit et tout se jouait en fait sur dans le manoir finalement. Et c'est assez cool hein. J'ai bien aimé les deux en fait, les deux phases. Les tout premiers et des Void comme les ceux qui ont suivi. Mais c'est vrai que là où je trouve que le jeu est vraiment... où les Resident Evil sont vraiment cool, c'est dans les endroits un peu style manoir, château... Oula. Ah ouais d'accord, ah, carrément. Comment on va faire là? Ok. Vas-y. Bien joué, hop, on avance. Oh là, elle tire bien, c'est incroyable. Elle m'impressionne. Wow, une bombe. Ok. C'est bon, ils nous ont... Il est mort lui là-haut là? Putain, elle l'a eu. Elle est vraiment trop chaude. Qu'est-ce qu'elle regarde? J'ai l'impression qu'elle regarde quelque chose. On va faire une petite marche avec ce bateau. Je suis parti à Miami une fois. Et avec un ami. Et on a visité les Everglades. Bah je peux vous assurer... C'est exactement sur ce genre de bateau qu'on était. Waouh. Mais il y a des mecs dans l'eau vraiment, mais c'est abusé. Bon, celui-là je vais me la prendre, ouais, c'était sûr. Et je peux les écraser ou c'est comment? Ah, je peux en fait. Par contre, je peux aussi normalement choper leur... les munitions qu'ils lootent au sol. Voilà, typiquement, même l'argent qu'ils ont lâché. Et là, il y a une munition aussi. Vas-y, Shiva. Bien joué. Là aussi, il y en a. Petite munition de flingue. Le pire, c'est que plus je joue au 5, plus j'ai envie de jouer au 4. C'est un truc de fou, ça... Ça me donne encore plus envie de jouer, tu vois. C'est un truc de malade.
Ok, donc on a fait ce petit village là, on va aller au suivant. Je pense qu'on va faire le tour comme ça sur. On va faire le tour. Putain, il y en a pas mal. Attends, il y en a un là. Il y en a un derrière, un là-bas. Il en reste 3, j'ai l'impression. Je sais pas trop. Oh, non, apparemment c'est ici qu'il faut mettre les cartes des tablettes obtenues. D'accord. Quand on ouvre la carte, en fait, on voit du coup les petits points. Avec des croix rouges comme une carte au trésor pour trouver les tablettes manquantes. Ça va, ils sont vraiment sympas. Hein. Je me rappelle le 1, encore une fois, t'étais pas du tout aidé en fait. Enfin... Donc là, on en a mis 2. Deux tablettes qu'on a trouvées et du coup il en reste 2, donc c'est parti, on y retourne. J'imagine qu'à chaque endroit où il y a des tablettes on va se faire attaquer comme Jaja. On va quand même aller voir là-bas, tu vois, parce que là tu vois sur la carte ils disent qu'il n'y a pas de tablettes, mais moi je suis sûr qu'il y a un truc intéressant si on peut accoster bien sûr. Et ça a l'air d'être le... Ça a l'air d'être le cas, ouais. Ouais, il y a un coffre là-haut, effectivement. Donc on va aller voir ce qui se cache là-dedans. Déjà des munitions. C'est très bien. Et là-dedans. Oh! C'est pareil, ça, on pourra le vendre, c'est très bien. Allez, on reprend le bateau. Allez, Shiva. Come on. Monte sur le boat. Donc, ok, si je mate la carte, on peut aller là-bas. C'est là-bas que se situe la troisième tablette. C'est un totem d'immunité, les amis, qu'on est en train de... Oh, attends, j'ai cru voir quelque chose qui brille sur l'arbre. Je sais, vous allez me prendre pour un fou. Attends, waouh, la caméra elle pète un câble. Il y a vraiment un truc qui brille sur l'arbre. Je pensais qu'elle peut le choper ou pas. Putain, elle l'a chopé. Incroyable. Elle est trop forte. Je crois qu'il faut que je rentre là-dedans. Ouais, faut que je rentre là-dedans et que j'aille accoster ici. Ok. Nouvelle plage, nouvelle tribu. Ça fait un peu flipper. Hein. Je crois qu'ils font des trucs un peu chelous. On ne dira pas ce que c'est que cette viande. Merde, j'arrive pas à le péter. Tac. Comment elle est Shiva là sur les munitions? Elle est pas mal, non? Tiens, je vais lui filer des... Voilà, parce que moi j'en ai déjà 55 dans le chargeur. Même si ça va très vite. Une poule. On va essayer de lui tirer dessus. C'est pas bien. C'est mesquin. Bien joué, ça. On récupère un œuf. Je fais quoi avec ça? Ah, je peux le manger. Attends, je vais le donner à Shiva. Tiens, un œuf. Est-ce qu'elle va le bouffer? Il y a moyen qu'elle le bouffe. Hein. Ouais, c'est bizarre ici. Hein. Vas-y, toi, tu t'occupes de ça. Il y a quelque chose là-haut. Aide-moi. J'arrive, Shiva, bouge pas. Je prends des munes. Que t'as récupéré ce qu'il y avait au sol en plus. Ouais, je crois que c'est bon. Vas-y, monte. Come on, come on. Oh, ça sent la tablette, ça.
Pas du tout. Ici. Obligé, la tablette là-haut, c'est sûr, il n'y a pas d'autre endroit où aller. Là. Oh, tablette chaman. Ah, mais c'était sûr, mais c'était tellement prévisible. Wow, il y a v'là du monde par contre. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Shiva, il faut y aller là. Ouais, reste derrière toi. Merde. Oh, Shiva. Wow. N'hésite pas à utiliser ton MP5, Shiva. N'hésite pas, vraiment. Ok, nickel ça. Vas-y, je te laisse tirer. Ok, on est pas mal, on est pas mal. Wow. Tu vas l'écraser lui. Oh, ok. Wow, mais y'a du monde encore. Les pieds, les pieds, les pieds. Vise les pieds. Parce que eux là. Eux, on peut pas les toucher avec leur. Ouais, recule, 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 c'est chaud là. Oh oh. Merde. Oh là, il s'est transformé, t'es mal le truc. Putain, elle était mal. Soignée, putain, elle est en train de crever. Waouh, 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 ça c'est pas bon du tout là. Ah, il faut tirer dans son truc derrière, je crois. Oh oh. Aouh. Je me concentre sur lui là. Oh. Ok. Elle tire sur son truc là. Son truc dégueulasse là qui lui prend dans le dos. Oh merde. T'es sérieuse? Elle a plus de vie la pauvre. Ah ouais, elle a pas beaucoup de soins en fait. Putain, j'ai pas une grelle, un truc là, je sais pas. Eh, j'ai plus de balles, j'ai plus de balles, j'ai plus de balles de rien du tout en plus. Non. Non mais vraiment. J'ai plus de balles. Non mais c'est une vraie histoire le truc. J'ai plus de balles. Elle met des coups de cut mais. Ah c'est bon. Waouh. Les gars, j'ai plus de balles du tout. J'ai 10 balles. 17 balles. Parce que là j'en viens d'en récupérer, mais là c'était chaud. Il est où le gros monstre? What? Comment c'était chaudard? Ah ouais. Ok. Il nous en reste une à choper. J'espère que ça va être plus calme. Hein. Parce que le gros machin là, comment il était chaud lui, il voulait pas mourir en fait. Donc, dernier endroit, c'est là-bas. Et c'est le dernier endroit pour choper la tablette. Donc on va se caler là. Ah. Où ça? Par là? Dans l'eau? Ok. Pourquoi il y a du... Ouais, de la musique là. Ils sont où les types? Oh putain, un crocodile. Oh putain, 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 putain. Ok, ok, ok. Waouh. Oh ouais, c'est chaud. Il y a un croco, les gars. Il y a un croco, il y a un croco. Waouh. Il faut aller où là? Oh putain, il y en a un là. Il y en a un là, les gars. Yeah. Oh putain de merde. Dépêche-toi, dépêche-toi. Elle est où Shiva? Shiva? Putain, j'espère qu'elle m'a suivi parce que... Choc. Merde. Waouh.
Ah ouais, je mets que des headshots là. Rien à faire. Elle veut pas tirer, hein. Ok, on a récupéré un œuf, c'est génial. Je pense que je vais soigner Shiva. Je sais pas comment je vais faire. Je vais le combiner avec ça. Et on va se soigner, utiliser. Thanks, partner. You welcome, Shiva. Wow. Elle est croco, là. Oula. Bien joué, bien joué. T'as besoin de munitions? Ok. Ah, dernier morceau, les amis. Elle a plus de balles du tout, la pauvre. Bah écoute, je peux pas t'aider parce que j'en ai pas non plus. Come on. Super. Super. Ils sont où les crocos là? Je peux pas sauter direct dans l'eau d'ici. Parce que, à mon avis, ils sont en train de m'attendre. Juste en dessous, t'as vu? Putain, ils vont me bouffer, mais c'est sûr. Putain, ils sont là. Waouh, waouh, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh merde, y'avait un. Ah, mais là, c'est la pas du gain là. Waouh, waouh, ils sont partout, y'en a beaucoup. Putain, ils nous suivent, ils nous suivent. Waouh, waouh, c'est quoi tous ces crocos là, partout là? Là, je vous dis, les Everglades aux États-Unis, c'était comme ça. Sauf que moi j'ai vu aucun croco en vrai. Pas de chance. Shiva, dépêche-toi. Putain, en plus c'est ça, il se cache sous la surface. Hein. Ah là là. Ok, les gars, on a toutes les tablettes. Donc on va aller les mettre dans la petite porte. Et on va pouvoir se casser d'ici. Je me souviens plus où c'était. Ouais, c'était tout droit. Ok, putain, ils te mettent vraiment tout sur la carte, c'est incroyable. J'ai vu qu'il y en a qui jouaient des fois avec la carte genre allumée, mais genre elle prend tellement de place sur la... Genre tout le temps avec la carte comme ça, mais genre elle prend trop de place sur la sur l'écran, c'est pas possible. Je préfère explorer tranquille, tu vois. Ok, alors... Toutes ces tablettes pour rentrer dans ce village. Qu'est-ce qu'il cache ? On est dans la jungle, les gars. Waouh. Oui, il vient d'avoir une... C'est normal, cette explosion, là? Qu'est-ce qui se passe? Putain. Vite, on se casse d'ici, là. Et il se passe quoi, là? Y'a un mec qui nous balance des trucs ou quoi là? Non? Ah, un membre de l'équipe. Oula! Là on est clairement sur des pics qui vont sortir du sol, hein, je sais pas. Ah mais c'est sûr. Je rentre pas. Je rentre pas là-dedans. Vous m'aurez pas comme ça. Tac. C'est très très calme. C'est jamais bon signe. Putain, Shiva, je fais tout le boulot vraiment. Go, Roger. Là, c'est en mode attaque là. Waouh, il régale. Pourquoi elle peut pas le prendre elle ça là? Viens ici là. Elle peut pas le prendre? Laissez au partenaire. Ok, d'accord. Faut vraiment qu'elle soit à côté pour prendre les trucs. Je découvre ça que maintenant, tu sais. Ok. Tac. Munition de Magnum. Bah, je l'ai pas du tout le Magnum par contre. Moi je vais prendre ça. Toi tu vas prendre ça. Voilà. Apparemment on peut monter.
viens. Viens ici. Roger. Non mais ça on s'en fout quoi. Il casse l'œuf sur sa cuisse, c'est génial. C'est mythique ça. Tac, je vais recharger comme ça. Ça va me faire utiliser les munitions. Pareil pour le pompe. Ok, c'est bon. On va aller voir ici. Oula 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 oula, j'ai entendu des chiens les gars, j'ai entendu des chiens. Viens on monte, viens on monte, viens on monte. Attends, on va éviter de se coincer aussi. Ouah, il est costaud lui. Lui il est costaud lui. Waouh waouh. Ah, il m'a mis un coup. Attends, je vais me casser de là. Putain, on est encore tombé dans la traquenard. Eh, mais eux là. Mais ils rigolent pas là. Wouah. Eh, c'est même pas la peine d'essayer de leur. De leur tirer sur la tête, hein. Purée. Ouh, j'ai plus de balles. Non mais c'est chaud là par contre. Ça c'est chaud là. Aouh. Il était déjà derrière moi. Oh, ok 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 ok. Là je fuis là. Là je fuis direct. Non c'est mort. Waouh 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 waouh. Mission de mitrailleuse, super. Ouais c'est un traquenard ici en fait. Je vais récupérer ça. Parce que là il me faut des munitions, il me faut des trucs. Je crois qu'ils sont derrière moi. Waouh waouh waouh. Comment ça les pics ils se lèvent quand en fait les pics? Comment ça marche? Oh! Waouh! Tololo! C'est chaud! Je crois qu'il faut que je les bute, hein! Hein, peut-être pas. On peut passer par là. Faut que je me. Vas-y, vas-y, hey, prends tout. Prends tout, faut qu'on se casse d'ici là. C'est quoi ça? Ah ouais d'accord. Ok, je suis en train de faire le pont en fait. Aïe 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 aïe. Ah mais le truc qui. Oh là là. Waouh, ok. D'accord. Attends. Sheva, faut qu'elle tourne. Je vais crever. Genre. Je vais crever, je sais pas comment je vais faire. Et je vais crever les gars, là c'est chaud patate, là c'est chaud patate. Tu peux ouvrir la porte? Oh merde. Ah là 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 là, je vais crever c'est sûr. Ah je suis mort. Ah ouais, chaud patate là. Ah oui, là c'était très très chaud avec les deux gaillards. Je pense qu'il faut vraiment les tuer avant de. Il faut vraiment les tuer avant d'essayer de faire quoi que ce soit avec le pont là parce que c'est mort. Ok, on se casse. Waouh. Ah ouais, il y a un mec au marteau qui est là-haut. On peut faire tomber l'échelle ou pas? Ouais, il y a Sheva qui est en bas. Allez, viens, on fait tomber l'échelle. Bim. Voilà. Et d'ici, on va les fumer. Tu vas voir. Attends. Oh, il a sauté.
Ok, d'accord, c'était pas prévu. Enfin, la tentacule qui sort de la tête, quand même. Ah, mais ça me rend fou, là, comme il meurt pas, là, c'est abusé, ça. Oh, non. Ça y est, il est mort. Il nous reste les types... Au marteau, dépêche-toi. Attendez. Faut pas oublier que j'ai une mine sur moi. Tac, je vais placer là comme ça. Ouais, ça c'est bon ça. Bien joué. Ok, je vais me prendre un coup de marteau. Ça va me calmer direct. Là je dois avoir bien des petites grenades. Voilà, hop. Parfait. Allez. Putain, j'ai plus de... Ok. Putain, mais des grands gaillards là. Jamais ils meurent eux. Ils sont pris une mine. Deux grenades, c'est comment? On fait comment là? Ouais. C'est la merde, c'est clairement la merde, putain. Là, il y a des munitions, Waouh, ok. Oh, ils sont partout! Mon dieu, aidez-moi! Non, mais c'est pas possible là. Je peux pas sortir, je peux pas rentrer, on fait comment? Je me barre par là. Ah non, mais si je m'enferme là, c'est chaud par contre. Bah vas-y, c'est quoi? Je sais pas, occupe-toi de ça, je sais pas, fais quelque chose, fais un truc. Ouais, laissez-moi. Waouh, ok. Bonjour monsieur. C'est grave chaud. Oh. Elle a lâché le pont, j'étais dessus. Non mais elle abuse de... Non mais Sheva, t'es sérieuse ou quoi? Je suis sur le pont, pourquoi tu lâches le truc? À mon avis, elle s'est fait... Putain. À mon avis, elle s'est fait attaquer, elle a lâché la manivelle. Non mais c'est relou. Oh putain. Ah ouais d'accord, en fait quand tu viens ici, c'est un autre truc qui se passe quoi, et en plus j'ai récupéré le magnum. Incroyable, le magnum était sur le type là. Donc là t'es en train de me dire ça valait le coup de mourir quoi finalement. Putain merde. Waouh. Ouais, je tirais direct là. Ok, donc en fait quand tu passes ici tu te fais Putain, j'ai récupéré ça, ok. Stylé ça. Stylé du coup. Ça valait le coup de mourir deux fois, c'est ça? Putain, les types ils arrivent. Non mais prends ça. Ouais. Voilà. Du coup peut-être avec le magnum ils vont peut-être moins faire les malins, je sais pas, je sais pas. On va essayer. Ils sont quand même vachement résistants les types. Ouais. Désolé mais je vais pas gâcher ma... Ah ouais d'accord, ouais effectivement. Vous avez vu les... Le nombre de balles que... Il s'est pris quand même 7 balles de... 7 balles de magnum. Ah mais arrête de... Ah je gâche mes... Bim. Le pauvre. Super. Bah là j'ai plus de balles du coup. Voilà. Elle est en mode soutien, je sais pas pourquoi. Je t'ai jamais dit de soutenir quoi que ce soit. Bim.
Oh putain, c'est lui qui est relou là. Oh là 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 là, quand il tape un saut comme ça là. C'est normal qu'il soit plus dur que les boss celui-là en fait là. C'est quoi le principe? Est-ce que j'ai toujours ma mine? Oui. Je vais manger un œuf, tiens, pour la peine. Ah, il a lâché un émeraude en mourant, lui. Ok. Émeraude, c'est ça? Il est où le pote, là? Et moi, j'ai plus de balles, j'ai rien. Elle est où, la pote? Ah bah merci. Il était temps. Non, mais faut vraiment... Faut vraiment se concentrer sur les... Merde. Tac. Vas-y, recule. On va se prendre la mine. Je t'avais dit. Mais c'est toi qui as foncé dessus. Waouh. Cours. Ah, il est déter. Pas de munitions, c'est compliqué. Là, il y a un petit peu de munitions de flingue. On va pas aller loin, mais bon. Non, mais c'est bon, il faut juste que je tue le gros monstre là et après, c'est fini quoi. Après, on va se débrouiller avec les types là, mais. Putain, jamais il meurt. C'est un truc de fou quoi. Franchement, il est plus dur que certains boss, c'est un truc de fou. Ils sont plus durs que certains boss, ces deux-là. Là. Mission de Magnum, allez, vas-y, roule ma poule. Ouah, purée, non, il m'a bloqué. Non, c'est bon, au secours. Faut que je recharge le Magnum. Et là, je vais le fumer. Tu vas voir, toi. Bim! Allez, vas-y, t'en veux une autre? Vas-y. Bim! Allez! Tu tombes direct. Ah, ça fait du bien. Allez, tu vois, là, je me sens serein, là. Parce que les deux costauds, ils sont morts. Ok, on passe pas au-dessus des trous. Bon, il reste des petits gars, là, mais franchement, ça va le faire largement. Donc, vraiment, c'était même pas la peine d'essayer de tourner la manivelle pendant qu'il y avait les grands types, là. Ah, bah voilà, écrasement de tête. Ça c'est fait. Ah! J'allais dire la musique se calme, mais attends, il en reste encore un ici. Normalement, ça va le faire. Bim! Ok. Wouh! Eh bah, les amis, c'était tendu. Clairement, là, le moment le plus tendu du jeu jusqu'à présent, c'était ça, hein, c'était là. Et c'est pas pour rien, je pense qu'ils te filent le Magnum parce qu'ils savent que tu vas en avoir besoin, vraiment. Et finalement, je suis content d'être mort parce que je l'aurais peut-être loupé si j'avais pas été voir le cadavre du militaire. J'aurais peut-être loupé, hein. Je serais peut-être parti après sans le choper. Et c'est quand même l'une des meilleures armes du jeu, je pense. En termes de puissance, en tout cas, le Magnum, ça a toujours été un peu le cas sur RE. Là, je commence à avoir vraiment beaucoup trop d'armes. Bah écoute, prends tout. On va faire le tri là, on va regarder un peu qui a quoi. Bah attends, je vais combiner ça et ça. Je vais recharger ma mitraillette. Voilà. On va monter ici. On va récupérer ce qu'il y a ici là. Putain, c'était vraiment tendu, hein. Franchement, beaucoup d'ennemis. Et puis les deux grands là avec leur marteau. Et moi, je me croyais en sécurité quand je suis monté ici. Mais les mecs, ils ont tapé un saut. C'était aucun problème. Ni chaud ni froid, quoi.
Ça, c'est un plaisir de trouver le... du calme, tu vois, dans la zone. Ah, ça fait du bien, quoi. Je lui fais pas trop confiance. Du coup, je pense que je vais tourner. En vrai, je vais tourner parce que elle me l'a trop fait à l'envers, elle. Ouais, je pense qu'elle s'est fait attaquer, vraiment. C'est pour ça qu'elle a lâché, mais imagine, genre... Alors, c'est moi qui... c'est moi qui passe le pont et je sais pas, elle décide de lâcher, je dois tout recommencer, tu vois. Genre débat. Allez, viens m'ouvrir. Elle est où? Elle est là. Ah. Merci, madame. Quel grand plaisir. Alors, il y a des trucs cool ici ou pas? Pas du tout. Y'a rien de fou. Oh. Oh putain. Ah, j'aime pas ça, moi. Ticulas. Ah, j'aime pas les serpents, hein, je vous le dis direct. Pour de vrai. Ça va, même en jeu, je suis pas serein, tu vois. Waouh. Journal d'un jeune villageois. Un homme qui s'est présenté comme le contremaître de l'usine pétrolière nous a rendu visite aujourd'hui. Il affirme vouloir vacciner tous les riverains du champ de pétrole comme une certaine maladie. Lorsque mes parents étaient jeunes, son entreprise a escroqué les habitants pour leur voler leurs terres. Ses dirigeants doivent s'en vouloir puisqu'ils proposent souvent leur aide au village à présent. Lorsque la traversée du marais nous était impossible, ils ont installé une corde et une nacelle pour nous. Parfois, ils nous ont même offert de l'alcool provenant des autres pays. Cette vaccination doit faire partie des initiatives d'entreprise pour se faire pardonner. Pff, mes pauvres gars, mais vous êtes fait bananer. Tout le village est content de se faire vacciner, mais je ne suis pas intéressé. Je ne sais pas exactement pourquoi je n'en veux pas, mais je n'aime pas le contremaître d'usine, c'est tout. Tout le monde s'est rendu au champ pétrolier pour se faire vacciner. Le village n'a jamais été aussi calme. Je vais aller me faire une petite sieste. J'ai trop dormi pendant la journée, je n'avais donc pas sommeil le soir venu. De plus, le village était agité. Les adultes s'étaient réunis pour parler sérieusement. Tous les enfants souffraient d'une grave fièvre. Leurs mères ont puisé de l'eau pour faire baisser la température de leur corps en vain. Le matin suivant, ils étaient tous morts. Le chef du village est alors allé au champ pétrolier pour savoir si le vaccin avait causé la mort des enfants. À son retour, il a dit que les enfants étaient morts parce qu'ils avaient déjà contracté la maladie. Oh, les mythos. Il a aussi dit qu'absolument tout le monde devait se faire vacciner. Je ne voulais pas, mais le village entier était inquiet. On m'a donc forcé à y aller. Certains villages se battent. Tous les hommes sont en colère. Peut-être que c'est dû à la mort des enfants, mais je pense que c'est autre chose. Les femmes restent assises sans bouger. Est-ce que c'est la maladie qui se propage? 11 avril, impossible de rester en place aujourd'hui. C'était comme si quelque chose bougeait dans mon corps. Dehors, j'ai vu un homme étrange, il était nu et portait une arme, son corps était recouvert de peinture de guerre, pourtant, ce n'est pas un jour de fête. Je me suis approché pour lui parler, lorsqu'il s'est retourné, j'ai vu son visage, on aurait dit un monstre. Qu'arrive-t-il aux habitants de mon village? 12 avril, des cris incessants retentissent depuis hier, les hommes se sont parés comme nos ancêtres et se battent comme eux, la plupart des femmes sont mortes. Mal à la tête, fièvre, je suis en colère, un homme devant la fenêtre, gigantesque. Une hallucination sans doute. C'était le Rigrante. Je me sens bien. Des cris. Arrête. C'est drôle. Je veux tuer. Pas mal ça, hein? Petite histoire, là. Okay. Sur comment c'est arrivé. En fait, ils ont fait vacciner toute la population, okay. ces petits bâtards. Pour les transformer, quoi. Take it. Okay. Ok. On va péter ça. Hop les... Et les hommes sont revenus à l'état sauvage, quoi. Ils ont arboré leur peinture de guerre, ils ont repris leurs armes de guerre d'époque et tout. Pour se taper. Hop les... Monter à bord. Ok, là c'est la nacelle. Attends, je vais aller voir là-bas. Y'a pas un passage dans la grotte? Voilà. Waouh. Masque de cérémonie. Ça, ça va rapporter des pépettes, les gars. Ok, let's go. Waouh, c'était vraiment une mission chaude. Hein. C'était chaud. Hein. Ouais, ouais, c'était très chaud, hein, quand même. Donc fin du chapitre 3-1, j'ai quand même eu un rang A, c'est pas trop mal en vrai, pas dégueu. Vous pouvez consulter le dossier sur Chris Redfield dans les archives.
et on peut maintenant jouer au mode perdu dans les cauchemars. Je sais même pas ce que c'est ça. Ok, on va vendre les petits objets qu'on a chopés. Donc ça, énigme bleue, ouais, c'est ça. Tac, super, 9450. Et on va vendre ça aussi. Voilà, je crois qu'il va falloir faire des choix hein, sur les armes qu'on prend. Parce que là, clairement, qu'est-ce qu'on peut acheter maintenant? Je pense que le Magnum est... Et ouais, on peut l'acheter. Il y a le Dragunov aussi, j'avais pas vu. C'est un autre sniper, du coup. Ok. Je pense qu'on va peut-être améliorer encore un peu le flingue. Passer en puissance 250. Ouais, je crois que... Ok, on est en puissance max. En munitions, je vais l'améliorer. Je vais peut-être choper aussi dégâts critiques. Dac, une étoile, voilà. Ça coûte combien ça? Ça coûte 8000, putain, j'ai claqué 8000 pour ça. Non, ça coûtait peut-être un peu moins pour la première, pour le premier truc. Munitions, c'est combien? Ouais, je peux pas faire plus pour l'instant, là c'est 1500. J'aurais peut-être amélioré un petit peu le pompe. 500 ça coûte, donc voilà, tac. Je monte les munitions de pompe à peut-être à 12. Et la puissance est combien? 2000. Ah, j'ai pas assez. J'ai pas assez, donc je sais pas si je vais peut-être améliorer le... Améliorer les munitions de... Ah là c'est 3000, ok c'était 3000 et après c'est 8000. La puissance est 3000, munitions... Vas-y, je vais améliorer les munitions, voilà, ok. Très bien les amis, on va stopper ici pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Putain c'était dur la vache, j'ai galéré. Mais c'était cool, encore une fois. Très très bien ce jeu, franchement je prends beaucoup de plaisir à y jouer, c'est très très cool. J'espère que ça vous a plu les amis, petit like comme d'habitude et on se retrouve demain pour un nouvel épisode à 18h. Probablement sur ce jeu, encore une fois on va continuer l'aventure les amis dans l'Afrique. Merci d'avoir regardé.